On a eu donc cette décision de fermeture administrative de l'établissement avec assortie d'une amende, donc qui était une décision qui était exécutoire. Et de l'autre côté, on a eu une décision donc qui est suspensive, qui est envers ma personne, qui était donc l'interdiction de diriger et d'enseigner, assortie d'une amende. La raison qui était invoquée, c'était effectivement l'entrée qui était trop étroite en fait pour le nombre de personnes qui circulent dans le bâtiment. L'entrée en bas par laquelle vous êtes passé pour monter à notre étage. C'est-à-dire mise en danger de mineurs en fait dans un bâtiment qui ne contient pas les mesures de sécurité qui vont bien. Si l'entrée en bas est étroite pour nous, elle est étroite pour tout le monde. Nous ne sommes pas le seul établissement qui reçoit du public dans l'immeuble. Donc c'est ce qui est un petit peu, comment dirais-je, touchy. C'est que vous avez des services de l'État, comme la PJJ, Protection de la Jeunesse. Vous avez le CMP, qui dépend des hôpitaux de Paris. Et vous avez une association privée qui s'occupe d'enfants autistes et d'ailleurs qui fait un travail remarquable. Quand nous sommes arrivés ici, ce qui nous a beaucoup rassurés, c'est d'une, l'annonce commerciale qui dit que l'établissement est ERP et PMR. On est choqués parce qu'on a pris un établissement parce qu'on a vu des enfants. Le jour où on est venu visiter, il y avait les enfants de la PJJ qui étaient là. On est revenu une autre fois, on a croisé les enfants autistes. On est repassé une autre fois, on a recroisé des petits-enfants, des enfants qui allaient au CMP. Donc vous comprenez bien que quand on fait 2, 3, 4 visites et qu'on voit bien qu'il y a bien des enfants qui circulent, qu'il y a des mineurs qui sont toute la journée dans ces bâtiments, on est tout à fait rassurés en se disant, mais en plus de ça, ce sont des mineurs pour certains qui n'ont pas en fait toute la validité qu'il faut et qui sont pourtant dans ce bâtiment. Donc nous, pour des enfants dits valides, il ne devrait y avoir aucun problème. Au vu du communiqué de la préfecture de police, daté donc du 9 décembre, ben, je pense que c'est un prétexte. Nous recevons des enfants avec des signes religieux. Alors bien évidemment, qu'est-ce que ça peut apporter? Ça peut semer le doute en se disant, mais ils se disent laïcs, mais ils reçoivent des enfants qui portent des signes religieux. Ne serait-ce donc pas de la dissimulation? C'est ce qu'on peut lire dans le rapport de radicalisation que nous avons cité tout à l'heure. Une école confessionnelle, par définition, dispense des cours religieux. Or, ce n'est pas notre cas. L'originalité de cette école, je pense, c'est précisément le fait que, tout en étant non confessionnelle, elle accepte toutes les formes d'expression religieuse, ou autre, bien évidemment. D'ailleurs, beaucoup de styles sont affirmés ici, sans prodiguer, vu qu'elle est non confessionnelle, aucun cours de religion, quel qu'il soit. On respecte la laïcité de 1905, avec l'article 2 qui dit que à partir du moment où cette loi-là est promulguée, un habit est un habit et donc ne peut plus être associé à un signe religieux. Ma collègue, on le voit, porte un foulard, qu'on l'appelle autrement si on veut. Ce n'est aucunement pour elle un signe religieux. Comme vous le voyez, moi j'ai des cheveux verts, je pourrais très bien dire que par contre moi mes cheveux verts, ce serait une religion. Exactement, et en fait, ça c'est très important ce qu'elle dit. Pierre Bourdieu disait à ce moment-là, au moment de cette affaire, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas voir dans ces fichus de simples fichus? Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire, de ne voir dans ces fichus que des fichus. Je pense qu'il est regrettable de lutter contre le radicalisme et le repli communautaire en fermant des écoles qui s'efforcent justement de permettre à une jeunesse un peu laissée pour compte, hein, on va pas se mentir, on va pas le cacher, de pouvoir dépasser, transcender leurs conditions, leurs origines socioculturelles en intégrant un établissement qui est situé dans le 19e arrondissement de Paris et qui fait fi justement de toutes ces considérations. Cette école a été ouverte pour un objectif, éduquer et instruire des enfants, sortir des enfants de l'échec scolaire, pousser des enfants avec des hauts potentiels. Comme on est dans une approche qui valorise vraiment le savoir, on essaye en quelque sorte de le rendre désirable. Vous voyez? On n'a pas peur de poser de grandes questions. Moi en tout cas personnellement, tel que j'enseigne, j'ai pas peur de poser de grandes questions. J'ai pas peur de pousser mes élèves jusque dans leur retranchement. Forcément, on a des gens qui ont un esprit critique, je dirais, plus développé que la moyenne, peut-être. Donc pourquoi est-ce que je ferais de la discrimination à l'entrée de mon école, alors que le rôle de l'école, c'est d'éduquer tous les enfants? On est contre toute forme de racisme ou de discrimination. Un enfant reste un enfant, quelle que soit sa religion, sa couleur, ses origines. Et c'est pour ça d'ailleurs que
Tout comme l'État le combat, nous combattons la radicalisation. Comprendre le sens de ses idées, comprendre la personne que l'on est, apaise les esprits. C'est-à-dire que s'aimer soi-même, eh bien, ça revient souvent à aimer aussi les autres. J'ai choisi de scolariser mon fils ici, puisque je cherchais un établissement qui prône, on va dire, l'enseignement de l'excellence. Déjà, c'est la première fois que mon fils manifeste qu'il est à l'aise, qu'il est content d'un lycée. MHS est proche de ses élèves, de la directrice au surveillant, en passant par les professeurs. Tout le monde connaît tout le monde. C'est tellement à échelle humaine. Vous savez, ça fait penser un peu aux écoles dans les petits villages. Les conséquences, c'est la déscolarisation de plus d'une centaine d'élèves. J'étais très satisfaite de cette école. C'est dommage qu'elle soit fermée. Là, je suis déscolarisée. Dans mon ancien lycée, c'était un établissement public. Je me suis fait harceler. MHS, c'est un très bon établissement. On travaille très bien, avec des bons enseignants. Je suis déscolarisée. Mais le problème, c'est que je n'arrive pas à trouver d'autres écoles parce qu'elles ne répondent pas à mes attentes. Et je pense me pencher vers une école en ligne. La première chose qui me vient à l'esprit quand je pense à cette décision, bien entendu, comme tout le monde, c'est l'injustice. Déscolariser 110 enfants, moi, en tant que parent d'élève, je le subis. On va dire les conséquences, on les subit parce qu'on voit nos enfants qui, déjà avec le premier confinement, le deuxième confinement, ont eu un peu de mal. À s'accrocher, à suivre les cours, etc. Et là, on les voit, c'est plus du confinement, c'est plus des cours en ligne qu'on leur propose, c'est carrément plus de cours. Pour qui il faut s'inquiéter, c'est pour les enfants, et je dirais encore mieux, c'est nos enfants. Nos enfants, les enfants de la République. Quel avenir est-on en train de leur créer? Comment est-ce qu'on les utilise dans cette société? Parce que là, on a l'impression que nos enfants sont des pions, en fait. Laissez-nous, s'il vous plaît, aider les enfants, laissez-nous être acteurs de l'éducation, laissez-nous être un complément de l'éducation nationale qui permettra d'élever le pays vers le haut. Nous en avons marre, nous, citoyens français, qu'à l'international, on entend sans cesse que la France est un pays raciste, que la France ceci ou que la France cela. Je suis française, je suis fière d'être française et je contribue à mon pays à mon tout petit niveau. Mais ce que je veux, c'est le bien de mon pays et que l'on retrouve notre image et que l'on redore notre image à l'international. Parce qu'aujourd'hui, l'image de la France est biaisée à l'international par ce type d'injustice.